Des fois, il faut écouter ce que le monde dise, même quand ça. Il y a des fois, ça part dans tous les sens. Puis, dans l'affaire des accommodements raisonnables, moi, une affaire qui me dérange un peu, c'est cette fixation que le monde a présentement sur l'islam. Moi, j'ai des chums, moi, j'ai travaillé en Algérie, j'ai des chums sénégalais qui prient. Ils m'ont emmené au Sénégal, ils m'ont jamais emmerdé, ils me cassent pas les couilles, venons pas fous. T'sais, là, je vois, depuis le 11 septembre, là aussi, les médias, spécialement les médias américains, ont fait des musulmans, des monstres. Ils ont remplacé les communistes russes par, là, c'est un nouveau monstre, c'est l'islam, les Arabes. Mais moi, les Arabes que je connais, ils sont fins. C'est du monde comme nous autres, ils ont deux bras, deux jambes, ils ont des enfants. Si, ils jeûnent pour le Ramadan. Oui, on connaît ça, Calis. Quand on était jeune, on faisait le KTA, on faisait le carême. C'est pas grave. Arrêtons de devenir fous. Puis moi, les Arabes, ils sont pas plantés en avion dans le bureau de poste de Sainte-Flavie. Ils ont attaqué New York. C'est pas moi. Moi, ils m'ont. Mais là, en même temps, si on continue à faire chier le monde, à se ranger toujours du bord des Américains, un jour, on va payer pour. En tout cas, mais tout ça, pour moi, ça n'empêche pas non plus de. Moi, je suis accueillant envers l'humanité entière. Moi, l'humanité entière, c'est mes frères. Mais faites-moi pas chier. Pompez-moi pas l'air. Moi, c'est la seule place au monde où je suis chez nous, c'est ici. Alors, moi, je suis chez nous. Faites pas chier. Le reste, moi, je vous aime, puis je vais vous accueillir n'importe quand. Voilà.